Hélène, le temps abîme-t-il l'amour? Là, je voudrais répondre rapidement, hein, parce que, bon, d'abord, je dirais banalement oui, c'est-à-dire que tout le monde dira que oui, et puis évidemment non, hein. Bon, parce qu'on peut imaginer quelque chose de merveilleux, comme dans Philémon et Baucis, hein, cette merveilleuse légende qui vient d'Ovide, hein, où on a l'exemple d'un couple que rien ne séparera, et surtout pas le temps ni l'âge. Mais évidemment, c'est très rare. Mais lorsque le temps ne sépare pas, ça donne un amour merveilleux, qui est peut-être le plus bel amour du monde. Hein, c'est-à-dire deux personnes âgées qui sont amoureuses l'une de l'autre, bon, c'est très rare. Très rare. Donc, là aussi, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail quotidien, mais c'est aussi une joie. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi qu'à partir d'un certain moment, le temps va peut-être apporter à ces deux êtres un supplément de force. C'est-à-dire que si on commence à se dire, mais il y a 30 ans que nous nous aimons, ça donne une force supplémentaire. Puis à 40 ans, puis à 50 ans, puis etc. Donc là, comme c'est très simple, tu vois, là, j'ai pas besoin d'en dire plus. Oui, en même temps, moi je vais te stimuler un peu, dans le sens, si depuis 30 ans, ça renforce, c'est parce qu'on est passé par des malheurs, Ah, des mais bien sûr. souffrances, des expériences, etc. Mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc, là, on peut déjà trouver une des raisons pourquoi la souffrance aussi, pour permettre éventuellement à ce que l'amour Mais devienne non, plus fort. écoute, jamais comme ça. Hein? Non. Ça, on ne pourra jamais dire ça, on ne pourra jamais dire. Parce que, en fait, la souffrance laisse des traces. Et tu vois, elle ne disparaît pas comme ça, non. Elle laisse toujours des traces et elle est toujours là, comme ça, comme une sorte de poison. Et quand tu as souffert, eh bien, le reste de souffrance est là et il faut que tu en prennes. Soin, que tu soignes cette ancienne blessure, elle va revenir, etc. Donc, non, écoute, franchement, vaut mieux pas. Hein. Par contre, tu es d'accord avec moi qu'un couple qui a 30 ans, qui effectivement se trouve du poids dans cette durée, s'il y en a un des deux qui devient amnésique, n'est plus du tout le même poids. Comment est-ce que ces 30 années qui ont construit son amour peuvent-elles garder le même impact si l'on n'a plus la mémoire, par exemple? Mais je pense qu'il y a de la mort, là, tu sais. Malheureusement, je pense que si tu parles vraiment de ces cas-là, des cas très particuliers, d'ablation comme ça de la conscience, ben c'est de la mort. Enfin, la personne malade et qui a perdu la mémoire, elle a vraiment perdu quelque chose. Est-ce qu'elle en souffre? Est-ce qu'elle en est consciente? Probablement. Mais pas comme nous, comme quelqu'un de conscient l'éprouve. Hein. Mais il y a de l'angoisse chez les gens qui sont malades. Mais cette angoisse-là, nous ne savons pas la lire. Nous savons qu'elle est là, puisqu'ils expriment de l'angoisse. Mais ce qui se figure comme ça, mentalement, dans la personne malade, ça, nous ne le savons pas. C'est ça que tu veux dire. Oui, par exemple. Ouais. Donc en fait, quand on parle le temps peut améliorer, rendre les choses merveilleuses, c'est parce qu'on garde et on cultive la mémoire de ce temps. Mais bien sûr, c'est une richesse infinie. Et puis il y a aussi une gratitude. Je suis sûre que dans les longues histoires, on se met à avoir des biens communs. Tout d'un coup, on a une sorte comme ça, d'énormes maisons de mémoire qu'on revisite ensemble, qu'on ranime. Bien sûr. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les expériences qui sont, par exemple, les premières fois, ne sont pas plus belles que tout. Ce qui est beau aussi, c'est que quand on arrive à faire revivre les premières fois, ça donne à la première fois, en tant que seconde fois, la force d'une nouvelle première fois. N'est-ce pas la quête, par exemple, de tous les toxicomanes, quelle que soit leur toxicomanie? Mais quel rapport avec l'amour, là? Peut-elle être une drogue? Qu'est-ce qui pourrait être une drogue? L'amour. Ah non.
à vouloir retrouver les premières fois, à vouloir reconstruire tout. Non, parce que c'est pas quelque chose qui est compulsif. Quelque chose qui est intelligent, qui est profond, qui est analytique. C'est ce que tu trouves dans Proust. C'est-à-dire retrouver un moment merveilleux, le faire revenir, le tirer comme ça du passé dans lequel il est endormi, le réveiller. Rien à voir avec la pratique de la drogue. Dont je ne peux pas imaginer d'ailleurs qu'en quoi que ce soit, elle fournisse du bien. Non. Non, sans parler de bien, mais le fameux premier flash que tout le monde, que tous les toxicomanes recherchent, et qui d'ailleurs même probablement les financiers assassins, les profiteurs dont tu parlais tout à l'heure, sont aussi dans ça. Mais est-ce qu'il existe, ce truc-là? Alors là, oui, ça c'est une bonne question. Ils en sont à la quête, en tout cas. Moi, je crois que c'est purement c'est déceptif. C'est-à-dire qu'on te raconte, on te dit, en fait, c'est comme la première cigarette, tu vois. Tout le monde est en train de fumer, alors on se dit, ah, mais ça doit être bien. Mais en fait, les gens fument parce qu'ils sont dans l'addiction, et pas parce que ça leur fait plaisir. À mon avis, ça ne leur fait pas plaisir. C'est qu'ils sont obligés d'interrompre le manque. Et ce manque est une douleur, mais la cigarette ne leur fait pas plaisir. C'est de l'ordre d'un besoin compulsif qui n'a rien à voir avec le bonheur ou la jouissance, non? Et peut-il y avoir un manque d'amour? Un manque d'amour? Tu veux dire dans l'amour? Ou quoi? L'individu peut-il ressentir cette espèce de... De manque? De l'énergie négative? Je pense que oui. Oui, bien sûr. Oui. Certainement. Mais il y a de la réponse à ça. Hein, c'est-à-dire, par exemple, être disponible... alors là, ça se commande pas, hein, mais d'abord les gens qui sont à l'âge de l'amour, hein, c'est-à-dire donc là, les humains jusqu'à très tard, qui peuvent se trouver tout d'un coup abandonnés par l'amour pour telle ou telle raison, soit parce qu'il y a une rupture, soit parce qu'il y a de la mort, parce qu'il y a eu voilà un accident. Certainement qu'ils ont la nostalgie du moment de l'amour. Ensuite, c'est à la grâce de l'amour. Hein. Et penses-tu que des fois, certaines personnes peuvent cumuler, par exemple, les partenaires dans l'illusion de combler ce manque? Je ne crois pas du tout. Enfin, qu'ils le fassent, que ça se pratique, oui. Hein. Mais que ça ait des résultats, j'y crois pas une seconde. Ceci dit, il y a des tas de gens qui... Je pense que la multiplication, par exemple, des relations est le signe même du non-amour. C'est-à-dire du non-investissement, du besoin de satisfaction et non pas de découverte, d'aventure vers un au-delà de l'éphémère. Non. Je pense que toutes les pratiques d'écriture sont des pratiques qui sont là pour être des antidotes à la disparition du temps.